Hello guys, je suis ravie de vous retrouver dans ce tout nouveau numéro de Style Diary sur Fashion Africa Channel. Je suis Sandy Marmier et on va pas perdre plus de temps, on va commencer maintenant. Le roi d'Hollywood, Idris Elba. Idrissa Hakuna Elba, dit Idris Elba, est un acteur, scénariste, producteur de cinéma et dit jockey britannique, né le 6 septembre 1972 dans le bourg londonien de Hackney. Il est notamment connu pour son interprétation du baron de la drogue et homme d'affaires Stringer Bell dans la série américaine de HBO The Wire de 2002 à 2004 et de l'inspecteur John Luther dans Luther de 2010 à 2019, une série policière britannique diffusée sur la BBC. Il remporte de nombreux prix pour sa performance dans Luther, notamment le Golden Globes du meilleur acteur dans la série ou encore la Saga Awards du meilleur acteur dans une série. Il se fait connaître du grand public en tenant des seconds rôles dans plusieurs blockbusters. Prometheus en 2012, Pacific Rim en 2013, Gunman en 2015, Star Trek Sans Limite en 2016, La Tour Sombre en 2017 ou encore Hobbs & Shaw en 2019. Il prête aussi ses traits au personnage de Heimdall dans l'univers cinématographique Marvel, principalement dans la trilogie Thor de 2011 à 2017. Parallèlement, il s'investit dans des projets plus dramatiques. En 2013, il joue Nelson Mandela dans le biopic Mandela, un long chemin vers la liberté de Justin Chadwick. Sa performance lui vaut des critiques plus que positives. Puis, en 2015, il est à l'affiche du film Beast of the No Nation. Il est alors dans la totalité des grandes académies qui récompensent les œuvres cinématographiques, sauf une aux Oscars, ce qui créera une polémique autour du manque de diversité aux Oscars. Il est également disc-jockey sous le pseudonyme de DJ Big Drills, The Londoner, produisant essentiellement du hip-hop et de la soul, mais également de la house et tech house. Il possède par ailleurs son propre label, Seven Wallace. Idris Elba est l'une de ces stars londoniennes qui ne manque jamais de se livrer sur le tapis rouge. L'acteur britannique, qui a 48 ans aujourd'hui, peut porter un costume pas comme les autres. En effet, vous ne l'attraperez probablement jamais dans un look qui n'est pas parfaitement adapté. Au fil des ans, Elba a été cohérent dans cette approche, s'appuyant sur une variété de combinaisons toujours rationalisées mais jamais ennuyeuses. Il affichera tout d'un deux pièces à carreaux gris avec une casquette de garçon à un smoking tout noir avec un nœud papillon pour la soirée. Même son look de repos est digne des projecteurs. Nous ouvrons ce classement avec l'un des plus beaux moments stylistiques d'Idris en 2002. Il porte une tunique noire avec un col ouvert qui laisse entrevoir sa belle musculature avec un pantalon beige en lin et des sandales en cuir noir. Son look très africain et très fort nous laisse sans voix. Qui saurait rendre sexy le costume comme Idris? Dans cette version très charismatique du traditionnel costume 3 pièces, Idris Elba porte un costume 3 pièces noir avec un rabat satiné qui l'agrémente d'une chemise blanche ouverte, laissant entrevoir ses menstruations plus que parfaites ainsi que son style osé et magnifique. Idris est un Anglais et ce look le prouve à la perfection. Il nous sert une version flex et à la fois très classe à l'anglaise. Il a su agencer les couleurs à la perfection. Il opte pour un pantalon chino beige avec une chemise blanche avec des broderies rouges sur le col et une veste du style écolier anglais avec un liseré jaune et un écusson sur la poitrine. Il a sorti son look à des mocassins Gucci avec un serpent brodé sur le devant. J'adore son look. Fidèle à son amour pour la classe, Idris est à tomber dans ce look qui mélange à la perfection denim brut et chemise et gilet. Il a opté pour un jean brut gris bleu avec une chemise bleu clair et une cravate grise. Il ajoute par-dessus un gilet marron foncé et une veste de la même couleur parfaitement ajustée. Il est d'une élégance qui ne saurait avoir de nom. Élégant en toutes circonstances, l'acteur et DJ émérite garde sa classe malgré son allure décontractée. Il porte un polo violet qui lui va à la perfection
avec sa carnation, il l'agrémente avec un Bermuda gris et des slippers grises. Ses lunettes de soleil et la taille parfaitement ajustée de ses vêtements est plus qu'avantageuse pour son physique, qui saurait donner plus d'allure à un polo qu'Idriss. Dans ce look simple et à la fois dosé, Idriss Elba en fait pâlir de jalousie plus d'un avec sa musculature parfaite. Il porte un polo à col mao blanc avec un pantalon bleu plus fluide et des slippers blanches. Ses lunettes de soleil simples et noires gardent son côté simple et ne gâchent rien de son aura naturelle. Vous l'aurez compris, mon amour pour le look d'Idriss frôle l'obsession. Cette élégance anglaise qu'il sait incarner me laisse sans voix. Dans une version du costume en tweed 3 pièces gris avec de fines rayures qui nous rappellent les Peaky Blinders, Idriss rajoute la touche de style qui fait la différence. Il ajuste son costume avec un sous-pull à col mao rose poudré qui donne un rendu global à tomber par terre. Il rajoute un mouchoir dans la poche de sa veste, un petit détail qui a son pesant d'or. Idriss Elba est sans aucun doute l'homme le plus élégant d'Hollywood. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre aimable attention et à la prochaine sur Fashion Africa Channel.